ils ont été polis, on va dire, ils ont été vraiment polis et respectueux envers les athlètes. Ils se sont dit, on va faire quand même des jeux, même avec ce qui se passe sur le contexte planétaire. C'est une très bonne décision pour nous aussi, parce qu'il y a quand même énormément d'objectifs, de projets que l'on fait, nous athlètes. Alors moi, mon programme va commencer le 14 août, une dizaine de jours avant les jeux eux-mêmes, donc paralympiques, qui vont, eux, commencer le 24 août au centre d'entraînement de Kobe, à 600-700 km de Tokyo. Donc on va être basé là-bas, comme ça va permettre de faire notre quarantaine. On va pouvoir aussi être dans notre bulle de l'équipe de France d'athlètes, voilà. Et après, on va rejoindre le village olympique le 24 et ça va partir. Parce que je pense que les gens se sont habitués depuis une bonne année à avoir sur des sports co ou maintenant d'avoir une absence de public, hein. Donc ils sont habitués maintenant, les gens. Et nous aussi, on a fait des meetings, il y a des meetings, des championnats où il n'y a vraiment personne.